Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Ici First Grace Suzindelo à ce midi de Charisse Vitrine pour Christ. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes au rendez-vous, vous ne manquez pas, la fidélité de Dieu paye parce que quand vous êtes dit que nous allons suivre, nous allons être au rendez-vous, bien-aimés, restez fidèles parce que Dieu paye la fidélité de ce que vous entendez ce midi, de ce que vous allez comprendre, de ce que le Seigneur va déposer, le Saint-Esprit va toucher vos cœurs, ça sera bénéfique pour votre avenir. Et ce que nous plantons aujourd'hui, certainement demain, nous allons les récolter au centuple. Peu importe ce que vous allez semer en parole, en action, en faisant beaucoup du bien, en parlant du Seigneur, certainement il y a une récompense qui nous est réservée. Alors je suis dans la joie encore de me retrouver au devant de vous. Donc avant de partager, je vais d'abord saluer mes bien-aimés en Afrique. Vous qui êtes toujours au rendez-vous, RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, l'Europe ne manquez pas, vous ne manquez jamais à être là présent, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, celui-là qui a été ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que je suis dans la joie de savoir que vous aussi, vous avez le même Dieu que moi. Alors, je ne manquerai pas l'Amérique, les États-Unis, le Canada. Alors, sur ces, partagez. Ah, je n'ai pas oublié les îles. La Guadeloupe, la Martinique, l'Haïti, l'île de la Réunion. Alors, un petit clin d'œil. Aujourd'hui, c'est pour les Américains. Selon l'heure à laquelle vous me regardez. Si vous allez me regarder le matin, peut-être le lendemain. Good morning, c'est midi si vous me regardez, good afternoon, et le soir, good evening. Alors, je vous aime beaucoup si c'est la nuit, good night. Que le Seigneur vous bénisse, God bless you, et soyez bénis. Voilà, donc c'est ça. Alors, avant que je n'aille plus loin, ben, nous allons partager. Je vais un peu m'asseoir là. Nous allons partager, comme d'habitude. Alors, comme vous êtes connectés très nombreux, alors nous allons partager, nous allons liker pour que nous soyons des bénédictions, des sources de bénédictions, comme je l'ai toujours dit. C'est vraiment une joie de savoir qu'il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui est béni. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle accomplit des grandes choses. C'est comme la pluie quand elle descend, c'est pour germer, c'est pour vraiment donner du bon fruit. Et je crois que la semence de cette parole, la portion de cette parole que nous allons vous annoncer, cela va porter certainement des fruits et des fruits en abondance. Alors sur ce, je suis avec mon équipe, une équipe extraordinaire, toujours fidèle à leur poste. Je suis avec Juste Parfait. Je suis avec Charles, je suis avec Arnoli, je suis avec Goldis. Aujourd'hui, on a quelqu'un aussi de spécial, on est avec Émilie. Bienvenue, Émilie. Alors, sois bénie parce que tu es là pour nous supporter et être en prière, évidemment. Merci beaucoup. C'est moi que nous avons commencé, ça a été intitulé « La prospérité, c'est ton choix ». Quel thème ! Après avoir fait la grâce, après avoir fait la reproductivité, la sémence, maintenant on tombe sur la prospérité qui est ton choix. C'est ton choix d'être prospère. Ce sujet, ça a été vraiment d'emblée un sujet très polémique. Les gens parlent de ce thème, la prospérité, c'est comme si ce n'est pas biblique. Mais nous savons que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous croyons si Dieu a parlé de la prospérité. Mais nous allons essayer tout au long de ces mois de démystifier un peu qu'est-ce que la prospérité. Parce que les gens pensent que la prospérité, il faut avoir des jets, il faut avoir des bateaux, il faut avoir tout. Cela n'est pas mauvais. Si cela arrivait, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci.
mais d'abord la prospérité spirituelle. Et notre verset clé, c'était dans 3 Jean 2, qui nous dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Le pasteur Fofi avait essayé d'expliquer cela, pas essayé, mais il a bien expliqué vraiment ces versets. Je pense que ça sera un verset clé où nous allons traverser tous les mois en décortiquant bien les mots et puis pour bien comprendre, pour nous aider à comprendre qu'est-ce que la prospérité, qu'est-ce que Dieu nous veut. Dieu nous veut quoi? Dieu veut que nous prospérons et que nous soyons en bonne santé. Ce n'est pas seulement la santé physique, mais ça prend la santé spirituelle, la santé matérielle, la santé mentale et la santé physique, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien-aimé? J'aime ça quand on prospère à tous égards, sans exception, que nous soyons en santé. Parce que notre Dieu nous veut en santé. Quels sont ses parents? Quelle est cette mère ou ce papa qui voudra avoir un enfant tout le temps malade, malade, malade? Je ne pense pas qu'en tant qu'humain, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants soient malades. Moi, je me rappelle lorsque j'étais encore gosse, j'étais encore gamine, j'étais souvent très malade. Mais ma mère se battait. Elle disait, bien qu'elle était dans une dénomination, et puis elle était vraiment très ferme dans cela. Elle disait, je me rappelle encore ces paroles qui résonnent encore dans mes oreilles. Elle me disait, ma fille, tu ne mourras point, tu ne mourras pas. Avant moi, personne de mes enfants mettra sa tête sous la terre. Jamais. Je partirai avant vous. Donc, quelle que soit la maladie, à un moment donné, je rentrais même dans les coma de 2-3 jours. Je me rappelle encore. Mais ma mère était en train de déclarer que ma fille, tu ne mourras pas. Imaginez un commun des mortels qui déclare des choses comme ça pour sa fille, pour cet enfant. Et à combien plus forte raison, Dieu le Père qui nous a créés, qui nous a donné la vie éternelle, la vie sauve. Pensez-vous vraiment que ce Père-là sera ingrat ou sera vraiment un mauvais Père pour que nous soyons malades et puis lui, il est content? Non! Bien-aimé, vous savez, on a parlé de la semence, mais là où le Père sème, on en avait parlé la dernière fois, l'ennemi aussi veut s'aimer. Il nous dit, il veut que nous soyons en bonne santé. C'est son désir, c'est son souhait, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il a dit que j'ai un plan pour vous, un plan de bonheur et non de malheur. Et qui vient avec un plan de malheur? Pas Dieu. Certainement, c'est l'ennemi qui vient mettre des troubles, semer l'ivraie, nous mettre en confusion, que Dieu ne guérit plus, que Dieu ne bénit plus. Non! Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Dieu ne changera pas. Et Dieu n'a pas changé sa parole. Au contraire, c'est nous qui mettons en doute sa parole. Et quand nous nous mettons en doute contre cette parole, c'est en Dieu que nous mettons notre doute. Alors Dieu ne veut pas quelqu'un qui doute. Dieu veut voir la foi. Et Dieu te localise par rapport à la foi. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas te localiser. Il ne va pas savoir où est-ce que tu es. Mais quand la foi y est, Dieu te localise. Il voit, oh, là il y a ma fille, là il y a mon garçon. Il y a la foi. Il vient te localiser. Il vient là où tu es parce que la foi est là. Et quand Dieu voit la foi, il bouge. Il bouge, bien-aimé. Dieu ne reste pas insensible. Là où il y a la foi, il dit que cela te soit fait selon ce que tu crois. Selon ce que tu crois et ce que tu déclares. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu crois? En qui tu as cru? À quelle parole tu as cru? Les paroles du gouvernement? Les paroles de ce système? Non. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit, déclare, est vrai. Crois-les, rumine-les, déclare-les. Même si tu vois
tu vois tout chamboule autour de toi. Dis seulement, moi je ne chancelle pas, je ne bouge pas. Même si les mers rugissent, même si la terre tremble, moi je ne tremble pas. Parce que je suis assis sur Jésus qui n'a jamais tremblé et qui ne tremblera jamais devant aucune situation, devant aucune maladie, devant même Satan. Jésus a écrit, il est écrit. Et il a répondu, Satan a dit, il est écrit. Et Jésus aussi a dit, il est écrit. Alors, ce midi, il est écrit. Il est écrit par les maîtres sûrs de Jésus, j'ai été déjà guéri. La maladie, tu viens, tu es venu en retard. Moi, je m'étais déjà en sortie parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que la maladie. Celui qui est en moi est plus fort que les sorciers. Celui qui est en moi est plus fort que les démons, que toutes sortes de circonstances, de situations. Ce midi, je te parle. Peut-être tu dis, oh, pasteur, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu maître reprise. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Ce qui doit changer en toi, parce que Dieu, il est le même. Ce qui doit changer en toi, c'est juste élève le niveau de ta foi. Quand ta foi est élevée, je suis sûr, bien-aimé, peut-être moi, je ne donnerai pas tort à Dieu. Ça, non. Ça, non. Même s'il y a une situation qui tremble, même si les médecins t'ont diagnostiqué, avant que le diagnostic tombe, celui-là qui a été à la croix, il a porté ce diagnostic. Le diagnostic a été déjà rayé. Le diagnostic a été déjà brisé. Ton ventre, là où il y a eu beaucoup de bobos, sache que tu es déjà guéri par les maîtrisures de Jésus. Sache que mon fils, ma fille, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. On parle de l'état. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est attachée à Christ? Ton âme est renouvelée? Ton âme est transformée? Ton âme est régénérée? Ton âme, comment ton âme? C'est... La Bible dit, donc, prospère, que tu sois en bonne santé. Cette partie. Pourquoi ne pas vieillir en santé? Moi, maintenant, je déclare, Seigneur, je vais vieillir en santé. Je refuse la maladie. Je vais vieillir en santé parce que c'est ça que je crois. C'est ça que je déclare et c'est ça qui va m'arriver. Je le crois et je le déclare. Peu importe. Bien-aimé, vous allez me dire, ah, ben là, tu parles, tu as été dans les comas. Mais même dans les comas, j'étais en santé parce que j'avais déclaré, celui qui est en moi est plus fort. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui habite en moi est plus fort que la COVID. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pauvre diable. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni mon Dieu. Il est puissant, il est glorieux. Il est vraiment un Dieu au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et il sait. Et celui qui sème la zizanie, c'est monsieur le diable que je ne veux même pas citer les noms. Donc, voilà. J'ai libéré ce qui était dans mon cœur et je vais continuer dans la prospérité parce que c'est ça, c'est ton choix, c'est mon choix de désirer la prospérité. Alors, j'ai regardé la définition de la prospérité, c'est juste un succès, en particulier dans les aspects financiers, en particulier. Prospérer, avoir du succès, de s'épanouir et se développer. Prospérer, c'est être riche et avoir une provision en abondance dans tous les domaines. Alors, moi, mon thème d'aujourd'hui, je vais l'intituler « La volonté de Dieu par rapport à notre prospérité ». Est-ce qu'il y a une volonté de Dieu pour la prospérité? Je me pose la question. Mais je vais répondre aussi. Je vais répondre aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et toi, Jean nous le dit clairement. C'est un verset qu'on ne peut pas s'en passer. Je souhaite que tu prospères à tous égards. On parle de la prospérité à tous égards. Et sois en bonne santé. Et il ajoute en santé aussi. Santé matérielle, santé physique. Gloire à Dieu. Qu'on prospère l'état de ton âme. Et je veux aller dans les versets. Excusez-moi. 2 Corinthiens 9.
temps de partager avec vous la parole de Dieu. Elle est une semence incorruptible. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Et ne vieillira jamais. Toi, tu vieillis, mais Dieu ne vieillit jamais. Toi, tu peux changer, mais Dieu ne change point. Tu peux tout faire, mais Dieu reste le même. Il reste le même. Je disais 2 Corinthiens 9. Voilà, on y est. Ok, je vais commencer d'abord par lire. J'ai essayé de travailler un peu hier soir. Et j'ai regardé, j'ai retenu deux versions. Et ces deux versions-là, ça m'a été touchée. D'habitude, on a toujours l'habitude de dire à Louis Segond. Même moi aussi, j'aime Louis Segond. Mais j'ai été voir dans la version français courant. Ça m'a vraiment bien détaillé la chose. Et je vais lire encore en version aussi Parole Vivante. Vous allez voir des petites différences qui changent vraiment la connotation et la compréhension de la chose. Il dit, rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera aussi beaucoup. Donc on rentre encore, on est là dans la semence aussi, dans la reproductivité aussi. Et voilà, tu sèmes, tu vas récolter, tu sèmes, tu vas récolter. Oui, généralement, oh, on parle de l'argent, tu sèmes l'argent et puis, mais c'est la loi de la nature. Tu sèmes maïs, tu vas récolter les maïs. Tu sèmes, je sais pas, les haricots, tu vas récolter les haricots. Impossible que tu aies semé les haricots, que tu puisses récolter du riz. Impossible. Tu sèmes les riz, tu vas récolter les riz. Donc, quelque part, il faut vraiment que nous soyons vraiment dans la logique des choses. Mais bon, en tout cas, Dieu est Dieu. Verset 7, il nous dit, il faut donc que chacun donne comme il a décidé. On parle de la prospérité. Hein? Comme il a décidé. Comme il a décidé. Il faut que chacun donne comme il a décidé. Beaucoup ou peu. Donc, il donne comme il a décidé. Non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc j'ai mis ça parce que on était dans la reproduction et puis voilà. Et le verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres. Écoutez-moi, ça c'est français courant. Et puis Louis Segond, qu'est-ce qu'il dit? Verset 8, il dit et Dieu peut combler de toutes ses grâces, afin possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est. Que vous ayez, bien aimé, regarde. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. De toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire. Tout le nécessaire. Donc, être prospère, c'est avoir tout le nécessaire. Tout le nécessaire. En plus de quoi, contribuer à toutes les œuvres. Donc, tu as tout le nécessaire. En plus de ça, contribuer à toutes les œuvres. Et quelles sont les œuvres? Comme l'Écriture les déclare, comme les psalmistes déclarent, il donne largement aux pauvres. Sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Donc, peu importe, tu vas te dire, oh non, moi je n'ai rien pour semer, je n'ai rien. Mais Dieu a dit, il donne. Donc, tu as toujours quelque chose. Tu n'as pas l'argent, tu as l'amour. Tu n'as pas l'amour, et tu as la patience. Tu n'as pas ceci, tu as quelque chose. Tu n'as pas rien. Moïse a dit, Seigneur, je n'ai rien. Oh, Dieu le regarde. Comment ça, tu n'as rien? Sur toi, tu n'as rien. Oh, ben là, j'ai juste... quoi? J'ai un bâton. Et puis, ben là, tu as quelque chose. Et ce bâton-là a produit des grandes choses. Et ce bâton-là a produit des miracles. Alléluia. Il donne la semence au semeur et le pain qui les nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il rendra suffisamment riche. Écoutez-moi ça, c'est fort. Verset 11.
Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps, à tout moment, pour que vous puissiez sans cesse vous montrer aussi généreux envers les autres. Parce que la richesse, la prospérité, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement pour toi. Ce que tu reçois, tu dois être un gérant. Un gérant est fait pour gérer et pour partager. Et c'est ça exactement. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Les gens vont bénir. Pasteur Fofi disait quelque chose quand il était dans un pays quelconque. Il disait, il faut que les gens puissent louer Dieu à cause de toi. Je sais qu'il nous avait fait même une déclaration. Que les gens puissent louer Dieu à cause de ta présence, dans ta famille, dans la société, partout où tu es. Mais justement, c'est ça la bénédiction que tu dois apporter. C'est ça la richesse que tu dois apporter. C'est ça la prospérité que tu dois apporter. Tu dois être prospère dans tous les domaines. Alléluia! Et écoutez-moi, dans la parole vivante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il peut aussi vous combler de ses dons les plus divers. Ainsi, vous aurez en tout temps, amplement, ce qu'il vous faut. Et il vous restera encore du superflu. Oh my goodness! Superflu! Les mots là, ça m'a tiqué. Il restera encore du superflu. Superflu, ça veut dire ce qui est de trop ou ce qui est en trop, si vous voulez. Exagéré. Vous êtes béni en exagération. Excédent. Excès. On a besoin de demander plus pour partager, pour donner, pour que tu sois. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu. Tu veux être béni. Tu veux être prospère. Pas pour toi seul, mais pour partager. Quand Dieu trouve un cœur comme ça, quelqu'un qui a un cœur de partager, bien-aimé, il va le partager de tout son cœur et avec joie. Et Dieu va commencer à fournir. Et Dieu va commencer à fournir la semence tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il sait que toi, ta semence, tu les sèmes. Alors, quand il n'y en a pas, je vais te donner encore. Je vais te donner parce que tu sèmes, tu ne les gardes pas. Malheur à toi qui gardes les choses. Et puis à la fin, c'est l'ennemi qui viendra piller cela. Excusez-moi. Il dit, verset 9. Oh non, je recommence encore verset 8 parce que je n'ai pas fini la fin. Il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Superflu. Je recommence encore. Un trop de trop. Donc, après avoir dépensé, il t'en restera toujours. Et quand il t'en reste, ce n'est pas pour toi. Donc, automatiquement, il faut que ça bouge dans ton esprit là. Tu dis, oh, ben là, j'avais trop de choses. Donc, voilà, il me reste encore. Je partage. En fait, la richesse ou la prospérité, c'est une bonne chose. C'est vraiment la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas de mendiants. Dieu ne veut pas des mendiants dans sa maison. Non, 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 non. La pauvreté, parce que Dieu a dit qu'il a tout accompli à la croix, la pauvreté, la maladie et la mort spirituelle. Trois choses là. Et la pauvreté, c'est une malédiction. La mort spirituelle, c'est une malédiction. La maladie, c'est une malédiction. Quiconque est pendu au bois, et Christ est pendu au bois, il a apporté toutes choses. Dès que je donne ma vie à Christ, dès que je fais mon alliance avec Christ, toutes ces choses-là sont tombées d'office. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, je suis seule. Hein? Je n'ai pas à partager, je n'ai pas à avoir des gens qui vont me donner des avis. Vous qui êtes à la maison, là, ne me contredis pas. Alléluia! Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aime ça, j'aime ça. Il en sera de vous comme cet homme dont parle le psalmiste. Il a distribué largement ses biens. Il a donné ses biens. Il a donné généreusement aux pauvres. Sa bonté est inaltérable. Sa justice demeure à jamais.
Verset 10, il dit, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il s'est nourri, saura aussi vous donner les moyens de s'aimer généreusement. Bien-aimé, on reprend encore sur la semence. Vraiment, le mois de juillet, c'était un mois vraiment très puissant. Le mois de la semence, bien-aimé, n'arrêtez pas. Semez tout ce que vous avez. Semez le sourire. Semez la gentillesse. Semez la parole d'encouragement. Semez tout ce que vous pouvez avoir. Semez, bien-aimé. C'est une joie de donner que de recevoir. Donnez ce que vous avez, votre temps, votre énergie. Partagez, donnez, parlez de Jésus. C'est vraiment, oh mon Dieu, imaginez un sourire à quelqu'un qui est dépressif, à quelqu'un qui est découragé. Tu viens l'encourager et elle reprend cette personne-là. Comment tu seras dans la joie? Et Dieu voit tout ça. Il a même été dire, lorsque j'étais en prison, qui est venu me visiter? Lorsque j'étais malade, qui est venu me visiter? Lorsque j'étais dans le manque, j'avais faim, qui m'a donné à manger? Et c'est au travers de mon frère, de mes bien-aimés, de même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Si nous le faisons, Dieu voit tout ce que nous faisons. Parce que ça fait partie des bonnes œuvres. Ça fait partie des bonnes œuvres, bien-aimés. Ne nous lassons pas de faire du bien. Même si la personne que tu as fait du bien et il te retourne méchamment, toi tu dis, je ne te vois pas, je vois Christ en toi. Si je l'ai fait, c'est à cause de Christ. Je ne l'ai pas fait parce que toi tu m'as regardé de travers. Je ne l'ai pas fait parce que tu ne m'as pas rendu ce que je t'ai donné. Ce n'est pas ça. Si tu vas avec cette motivation, tout ce que tu fais est nul. Je suis désolée. Mais quand tu fais quelque chose, Carl a dit, quand tu fais quelque chose, c'est à moi que tu l'as fait. Et la semence, c'est ça. Dieu est bon. Montrez notre bonté. Dieu est fidèle. Montrez notre fidélité. Hey! Fidélité à Christ. Fidélité au corps de Christ. Fidélité à ta famille. Fidélité à tes enfants. Fidélité à ta femme. Fidélité à ton mari. Reste fidèle qu'il vente, qu'il neige. Reste fidèle. Reste fidèle. Et quand il y a des choses comme ça qui arrivent, bien aimé, imaginez comme j'étais malade. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer comment notre amour est encore solidifié. De savoir que mon mari était auprès de moi, de savoir que je partageais la douleur avec lui, de savoir qu'il était omniprésent. Bon, c'est Dieu qui est omniprésent, mais juste pour signifier qu'il était là à tout moment. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer notre berceau, comment l'amour a grandi encore. Hein? Même dans les difficultés, l'ennemi pensait qu'il peut faire des choses bizarres, mais au contraire, nous sommes encore liés encore davantage. Liés encore davantage. Je vous dis parce que je le sens, l'amour est là, elle nage, l'amour se sent. Et ça, oh mon Dieu! Saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. C'est lui qui fera croître cette semence. C'est pas toi. Il faut pas aller déterrer ce que tu as semé. Oh bon là, pourquoi tu ne pousses pas? J'étais planté. J'ai planté l'amour. Il y a pas personne qui me donne l'amour. J'ai planté ci. Il y a pas personne qui me donne. J'ai planté de l'argent. J'ai semé à l'église. Il y a rien qui me revient. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. La Bible dit, il dit, c'est lui qui fera croître cette semence. C'est Dieu. Ce n'est pas quiconque. Tu peux faire du bien à une personne, mais ce n'est pas nécessairement cette personne qui va te rendre, excusez-moi, cette récolte. Tu peux l'avoir d'une autre façon. Bien-aimé, je me rappelle encore, lorsqu'on était au pays, ma mère, mon père faisaient tellement du bien aux gens. Et lorsqu'on a voyagé, on était en Europe, les gens venaient, « Oh, oui, vous êtes la fille, le fils de Charles Makengo. Oh, tu ne peux pas savoir comment ton père nous a fait du bien. Tu ne peux pas savoir comment ta mère nous a fait du bien. Qu'est-ce qui vous manque? » Mais ce n'est pas mon père qui a bouffé l'argent. « Ah bon, je n'ai pas encore payé le trimestre. Hein? Le trimestre, il me reste encore à payer 5 000 francs belges. Ah bon? Ok, c'est bon. » C'est la personne sort l'argent pour te donner. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait semé. Alors si ta semence, tu vois seulement c'est toi qui vas la manger, erreur. Oui, des fois ça peut te revenir, mais des fois ce n'est même pas toi, c'est tes enfants qui vont le manger.
Bien-aimé, il faut avoir une vision lointaine. Il ne faut pas te regarder toi, 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 et bon, moi là, qu'est-ce que j'ai? Quel est mon intérêt? Bon. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, mais quand tu sèmes, sème véritablement. Et même moi, personnellement, quand je sème, je ne m'entends même plus à rien. Parce que je sais, tôt ou tard, que ça va pousser. Ça va pousser. Et la Bible dit, celui qui va faire croître cette semence, qu'il la fera prospérer et porter des fruits qu'il pourra agréer, même au-delà de ce qu'il va porter le fruit, que lui-même doit agréer. Bien-aimé, la parole de Dieu, il faut bien la lire, il faut bien la méditer, il faut bien la comprendre, selon le Saint-Esprit. Sinon, ça sera juste une lecture. Franchement, là, des fois, quand je lisais ça, je méditais, Seigneur, je dis, oh, j'ai toujours lu ça. C'est comme si mes yeux étaient comme tic, tic, tic. Et j'étais même contente de savoir que le Saint-Esprit me parlait. Il dit au verset 11, « Ainsi vous serez vraiment riches de tous les biens, de tous les biens. Vous serez riches de tous les biens. » La Bible dit « spirituel et matériel. » Et vous pourrez contribuer largement. Donc vous êtes bénis, vous pouvez aussi contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Allez voir ça, hein? La version parole vivante. Je l'ai lu en second, mais je pense que j'ai beaucoup aimé ça. Je répète. Ainsi, vous serez vraiment riches de tous les biens spirituels et matériels. Et vous pourrez contribuer en dépit de ce que tu vas être riche. Tu vas encore contribuer, pas peu, la Bible dit largement, à faire le bien chaque fois. À chaque fois l'occasion se présentera, toi tu seras là présent pour dire que, mais voici Seigneur. Il y a une situation qui se présente quelque part, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui est démuni, il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui a besoin de mon temps de prière. Je suis là, à la brèche. Seigneur, me voici, je suis en train de s'aimer. Tu ne sais pas quel jour, toi aussi, tu seras dans les problèmes que quelqu'un va prier pour toi. Bien-aimé, des fois, quand on est dans les problèmes, des fois, on n'a pas vraiment le courage de prier ou le courage, je ne sais pas comment. Mais si tu n'as pas de Aaron et de Hur, des fois, ce n'est pas toujours évident. Prie que le Seigneur fait du bien, que le Seigneur suscite des Aaron et de Hur pour te soutenir dans tes situations, dans tes circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais-moi un cœur. Mets-moi un cœur. J'attends. Je veux voir le cœur. J'attends. Fais-moi des cœurs. Émilie, je ne vois pas tes cœurs. Nadine, Lincena, des cœurs. Je veux des cœurs. Partagez. Ce que je dis là, c'est moi ici là. Oh non, non, non. Moi, je crois à cette semence de la parole. Et je crois qu'il y aura des choses qui vont se débloquer. Et je crois que les écailles vont tomber. La façon dont les gens parlent, oh là, les églises aiment de l'argent. Et dit, toi-même, tu es là, tu dois payer ton loyer. Tu as besoin d'argent. Et comment tu peux dire ça? Qui n'a pas besoin d'argent? Mon père m'a dit, il souhaite que je prospère. Alors pourquoi tu veux me contredire? Et la Bible me dit ici, là, vous serez vraiment très riches de tous les besoins spirituel et matériel. Est-ce que c'est ma parole? Est-ce que c'est la parole de Pasteur Fofi? Non, c'est la Bible, c'est la parole vivante. Et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion se présentera. Donc, à chaque fois, certainement l'occasion va se présenter. Et tu ne vas pas dire, ah oh, ben là, je ne savais pas, moi j'ai rien et tout. Non, à chaque fois l'occasion se présente, rentre en action. Profite, c'est une occasion que le Seigneur te donne pour que tu mettes ce que le Seigneur t'a donné, que tu sèmes. Pas nécessairement l'argent, dis-je bien. Tu peux s'aimer de toutes choses. Moi, il y a un moment donné, il y a eu des choses et puis voilà. Mais j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas sémé ça et je ne veux pas récolter ça. Je refuse. Et le diable me montrait des choses bizarres et tout, 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 tout. J'ai dit, Seigneur, no way, débrouille-toi. Je n'ai pas sémé ça.
Je passe semer la méchanceté et je ne veux pas récolter la méchanceté. Et je refuse cela au nom puissant de Jésus. Et j'ai déclaré, oui c'est vrai, il y a des choses qui venaient, des flèches par-ci par-là, mais j'ai dit non, je n'accepte pas ça. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas mon lot. Pourquoi je dois prendre ça? Pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen un peu là. Un amen bien vitaminé. Ok, et ceux auxquels nous distribuerons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Ça là, je rejoins le pasteur Fofi. Que quelqu'un lève les mains pour ma vie. Dire que pasteur Suzy, fais grâce. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Je dis merci à Dieu, juste parfait. Tu es juste et parfait. J'espère que tu dégages cela. Alors, que quelqu'un puisse dire merci Seigneur, auquel tout ce que nous faisons de bien pour que vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières, de reconnaissance, d'action de grâce. Bien-aimé, je suis dans la joie de savoir que, oh mon Dieu, my goodness, que les gens vont lever les mains à cause de ma présence. Bien-aimé, je le vis et je le crois. Lorsque je suis sortie, je suis revenue à l'église. Vraiment, je crois de tout mon cœur. Oui, ce qui était méchant pour dire n'importe quoi, c'est le problème. Moi, je ne prends pas ça. Ce n'est pas ce que je sais. Mais les gens dans l'église, ma famille, tout le monde était content de savoir que je suis là. Même les gens disaient que comment je peux rentrer à l'église sans toi, sans te voir? Non, je ne suis pas capable. Et je sentais les cœurs des gens, comment les gens se sont donnés, comment les gens qui sont venus prendre des temps de prière à l'église, les gens se sont mis vraiment en quarantaine pour prendre des temps, les gens venaient aller à l'hôpital, faire le tour de l'hôpital, les tours de Jéricho, les gens priaient parce qu'ils ont senti, j'ai même des personnes qui disaient, maman, quand j'avais entendu ça, j'ai sorti ce que tu m'avais donné comme cadeau. Ah bon? Mais moi-même, j'avais oublié. Que j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce qu'elle m'a donné. Souviens-toi. Et je sais, Dieu s'est souvenu de cela. Bien-aimé, vous ne savez pas la vie, hein? Vous ne savez pas. Toi, tu penses que je retiens. Ah, pourquoi je vais donner? Pourquoi je vais... Non, 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 c'est pas moi. Mais tu ne sais pas la vie. Tu ne sais pas. Qui aurait cru qu'un jour que moi, Suzy... Je vais me retrouver dans cet état. Non, bien-aimé, je pense que vous ne réalisez pas. Vous ne pouvez rien faire, même pas les mains, même pas sous. Rien, zéro. On vous change de culottes. Vous avez déjà vu ça? Oh Seigneur Jésus. Alors, tu es qui toi? La vie est vanité. Vanité de... Je vais m'arrêter ici, là, bien-aimé. Les restes de choses qu'on a tous les mois. On va en partager, j'en ai quand même. La vie, c'est vanité, des vanités. Ne te frappe pas la poitrine pour dire que oui, moi je suis. La beauté, c'est éphémère. La beauté, ça passe. Si je vous montre la photo lorsque j'étais dans le coma, même quand je me suis sortie, je ne pouvais pas me regarder. Il y avait les miroirs, mais j'étais incapable de me regarder parce que je ne me retrouvais pas. Je me disais, quand je regarde la photo, dans l'ancienne photo, et je regarde là où j'étais malade, je dis, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Pour vous dire que la vie, c'est vanité de vanité. Donc aujourd'hui, tu peux te dire, ah bon, ça y est, je suis là, et tu, je profite. Non, 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 non. Tu peux dormir, ne pas te réveiller. On le dit, on le dira toujours. Et puis, ne prends pas tout pour acquis. Ou soit tu peux en avoir aujourd'hui, demain aussi, tu peux en manquer. Alors, bien-aimé, ne jouons pas avec la vie. Ne jouez pas avec nos esprits. Ne jouez pas avec notre âme. Ne jouez pas avec notre corps. Ne jouez pas avec ça. Notre vie, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons cela pour la gloire de Dieu. Oui, certes. Il peut avoir des faiblesses, mais notre Dieu, il a dit, quand tu tombes, tu te relèves. Le juste tombe, c'est toi, et il se relève. Il ne faut pas rester par terre. Il ne faut pas accepter la culpabilité de l'ennemi pour te dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu t'aime tel que tu es. Viens à lui, il te recevra comme l'enfant prodigue qui est parti, qui est revenu. Son père l'a reçu et c'est comme ça que notre papa, quand tu vas, il t'attend, il dit, fils, fille, je t'attends ici, là.
Et quand tu vas revenir, il va t'embrasser, il va te nettoyer, il va te laver, il va t'habiller, les vêtements là, sainteté et tout, la bague, l'alliance, il va te remettre et tu vas renouveler ton amour, ton premier amour avec ton Seigneur Jésus. Alors, si tu es là, tu m'entends et que tu te dis, pasteur, ah non, tout ce que j'ai fait, c'est pas grave. C'est pas grave, humilie-toi. C'est l'orgueil qui fait te fait plonger pour dire que ah bon, moi là, je ne veux pas. Hein, tout. Non, ne te gonfle pas parce que ça ne te paye pas. Alors si tu es là, hey, humilie-toi. Tout simplement, dire Seigneur, me voici. Prends ma vie, me voici Seigneur. Me voici, j'ai promené ma vie comme je voulais. J'ai fait de ma vie ce que je voulais. Mais toi, tu étais là et tu es là toujours. Et je reviens à tes pieds. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Nettoie-moi. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi par ton sang. Le sang de l'Alliance Nouvelle Éternelle. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lave-moi. Purifie-moi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivant. Embrase-moi. Embrase-moi. Fais-moi du bien. Je suis à toi, à tes pieds. Oh, Rabbassa. Santa Karabasaya, merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir recueilli entre tes mains. Oh, merci d'avoir inscrit mon nom dans les livres de vie. Oh, comment ne pas te dire merci. Je te loue, je t'adore, je te loue, je te glorifie, je te magnifie parce que tu en es digne. Toi qui es digne de recevoir toute ma reconnaissance, je viens à toi Seigneur, prends ma vie. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Maintenant que je suis en train de prier, toi qui as donné ta vie à Jésus, si tu as des besoins, oh, expose-toi. Expose-toi devant sa sainte présence. Toi qui t'es dit, ma maladie a duré. Maintenant, pasteur Fofi a parlé. Il a parlé. Pasteur Fofi a parlé des serpents, des Moïse qui ont avalé les serpents, des sorciers, des pharaons. Aujourd'hui, la main de Dieu, la vie de Dieu sauvée, va avaler toute maladie, va anéantir toute maladie dans ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, dans ton ventre, et oh, les fibromes, l'utérus qui est abîmé, les fibromes qui ont pris la place, les kystes, maintenant je brûle cela par le feu du Saint-Esprit, oh, les cancers de sang, je viens brûler cela dans le nom de Jésus, les cancers du utérus au nom puissant de Jésus, les cancers de colon, je viens anéantir cela au nom puissant de Jésus, les cancers de cerveau, je viens anéantir cela au nom de Jésus, les cancers de poumons, au nom puissant de Jésus, tu n'as pas de force, tu n'as pas de force, tu n'as plus de pouvoir, je te maudis oh, jusqu'à la racine, je te sèche comme la main sèche de l'ennemi au nom puissant de Jésus, retire-toi au nom puissant de Jésus. Problème des os, problème des reins, problème de diabète, problème d'hypertension. Maintenant, je cite ton nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Il y a le nom de Jésus qui est au-dessus de toute maladie. Tout genou fléchi, toute maladie fléchie dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, touche ta main dans l'écran et dis je suis guéri par les maîtrisures de Jésus. Maintenant que je suis en train de maudire chaque partie de la maladie au nom puissant de Jésus. Maladie, tu n'as pas de pouvoir. Maladie, tu n'as plus de pouvoir. Ôte-toi et jette-toi dans les mers dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je confesse que par la maîtrise de Jésus, tu as été guéri. Tu as été guéri. Avant que la maladie arrive, toi tu es déjà guéri. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare le sang de Jésus te couvre de la tête jusqu'aux pieds. Aucune puissance satanique, démoniaque ne puisse s'infiltrer dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Autiste, je t'ordonne de lâcher nos enfants. Autiste, quel que soit ton degré, je te déclare nul et sans effet. Maintenant, que les cerveaux de nos enfants prospèrent, que les corps de nos enfants prospèrent, que les langages de nos enfants s'alignent comme il faut au nom puissant de Jésus.
Si toi, l'ennemi, tu as essayé de bousculer leur vie parce que tu as vu leur étoile, tu es foutu. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Et que leur cerveau soit pour la gloire de Dieu. Que leur cerveau ait du succès, ait de l'intelligence et la sagesse. Parce que ces enfants sont à l'Éternel. Et Seigneur, je sais que toi, tu nous as donné des enfants bien en santé. Tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que nos enfants prospèrent en santé dans le nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de ce nom-là qui est puissant, ce nom qui est au-dessus de tout, au-dessus de toute maladie, au-dessus de l'autisme, peu importe son niveau. Trouble d'apprentissage dans nos enfants, secondaire, primaire, universitaire, dans le nom puissant de Jésus. Crise d'identité dans la vie de nos jeunes, au nom puissant de Jésus. Dépression dans la vie de nos jeunes, au nom puissant de Jésus. Tu dois lâcher dans le nom puissant de Jésus. Esprit de suicide, je te lis. Oh, je te chasse et je te jette dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Et je libère ces enfants et je libère ces jeunes dans le nom puissant de Jésus. La curiosité dans le mauvais sens, de tout savoir, la drogue, l'addiction, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne maintenant de les lâcher. Tu dois fléchir, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux. Seigneur, le miracle que tu as accompli il y a des années, 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu m'as sorti du tombeau, tu m'as sorti de la mort, tu m'as tiré, Seigneur, de l'abîme, justement, pour annoncer ta parole, pour dire que tu es le Dieu encore vivant. Tu attends et tu exauces. Merci encore pour Coco. Merci, Seigneur, pour mes bien-aimés qui étaient dans les comas et qui s'en sont sortis. Je te dis merci. Je suis dans la joie de savoir que, Seigneur, tu l'as fait à cause de ton nom. Louange et gloire à toi, toi qui vis. Pour des siècles, nous disons Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Merci, vous qui nous avez suivis de partout. Nous vous disons merci. Et je sais que cette parole va traverser les frontières. Ça, c'est Caris. Caris, c'est un endroit de grâce. C'est une plateforme de grâce et de faveur. Et je crois que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu vous a localisé là où vous êtes. Et ne vous dites pas que, oh, je suis seul qui est avec moi. Même là où vous êtes, même vous êtes en Europe, en Afrique, Dieu est avec vous. On est ensemble, on est une équipe. Oh, on est dans la même équipe, équipe gagnante, équipe de Caris, équipe de grâce, vitrine pour Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Alors, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils Austin, à Pasteur Espé. Soyez bénis à Elena Joyce. Soyez bénis mes filles. Soyez bénis mon papa Daddy. Soyez bénis encore. Énormément béni. Et Austin, merci de continuer à défier encore les choses de la vie. Donc, tu es plus que vainqueur. Je t'aime beaucoup. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse ici, dans mon équipe que je vous avais présentée. Juste parfait. Charles, Arnoli, Goldis et Emilie. Nous vous aimons beaucoup. Que la grâce et le bonheur de Dieu vous accompagnent tous les jours de vos vies. Je vous aime beaucoup. Ici, First Grace, Suzy Ndelo, je vous aime beaucoup. Mouah.